Ladies and gentlemen, your DJ for tonight has spent hours setting up his lights. He's spent ages performing sound checks, and he's refrained from touching the floor. Yet, he's keeping reasonably sober and is prepared to play just about anything you care to ask for. Get ready for a very special night and party celebration. Monsieur Laurent Ginaja, maire de la ville du Grand Saconnet.
Madame Anne Robaquillier, conseillère administrative de la commune de Saint-Émilion. Monsieur Cédric Lambert, conseiller administratif de la ville de Versoix. Monsieur Gilles Vigneron, président du conseil municipal de la commune de Collet-Bessin. Et pour l'enseignement secondaire 2, Madame Ava Moder, responsable du dispositif sport à l'étude. Nous avons également l'honneur de leur présence, mais il n'y avait pas assez de place sur la table officielle, Monsieur David De Vito, directeur de la Direction Générale d'Enseignement Secondaire 2. Monsieur Christophe Hauser, directeur du Collège pour adultes Alice-Siva. Et nous avons un premier intermède musical, une composition personnelle de mademoiselle Audrey Calvo, du groupe 404, qui va composer dans le cadre de son travail de maturité. Thank you.
preuve de cet engagement, il suffit de relever qu'au cours de cette seule dernière année, l'une de vos classes s'est inscrite au concours Le Roman des Romans et n'a donc pas hésité à lire, outre les nombreuses œuvres imposées en année terminale, plusieurs ouvrages d'auteurs contemporains afin de donner son avis et d'assister à la remise des prix à Yvette. Et j'invite notre conseillère d'État, Mme Emery Corassata. Monsieur l'ancien conseiller d'État, mesdames et messieurs les représentantes et représentants des autorités cantonales et communales, messieurs les directeurs, mesdames et messieurs les doyennes, doyens, enseignantes, enseignants, membres du personnel administratif et technique, mesdames et messieurs, et surtout vous, chers lauréates et chers lauréats. C'est toujours pour moi avec beaucoup de plaisir que je prends la parole dans ces cérémonies de fin d'études, parce que c'est d'abord bien sûr l'occasion de vous féliciter, mais aussi de remercier toutes celles et tous ceux qui vous ont accompagné dans ce parcours plus ou moins long de vos études gymnasiales. Vos enseignants bien sûr, mais aussi vos parents, vos proches, vos familles qui ont été là pendant les moments faciles et surtout les moments plus difficiles. C'est aussi, et je vais être en résonance avec ce qu'a dit M. Jeannet, l'occasion de rappeler le rôle du Collège de Genève, le rôle de l'école dans ce que vous allez devenir et de ce que vous êtes déjà aujourd'hui. Car le rôle de l'école, c'est bien sûr de transmettre des connaissances, mais pas seulement. Et en réalité, le titre que vous obtenez aujourd'hui, la maturité que vous obtenez, certifie votre curiosité, votre esprit critique, votre ouverture d'esprit, votre capacité à vous interroger, et en définitive, à faire des choix conscients et responsables. Tout au long de la vie, nous sommes amenés à faire des choix. Mais comment déterminons-nous le chemin que nous allons suivre? J'ai longtemps enseigné l'histoire, dans ces murs même d'ailleurs, et c'est une question que j'ai souvent abordée avec mes élèves. En effet, dans le cadre d'une guerre ou d'un génocide, par exemple, qu'est-ce qui peut amener des hommes ordinaires à commettre des atrocités,
des hommes qui, dans un autre contexte, auraient sans doute mené une vie tout à fait normale. Et à l'inverse, qu'est-ce qui peut amener des deux hommes et des femmes apparemment tout aussi ordinaires à prendre des risques pour leur vie et à sauver, par exemple, les victimes désignées d'un génocide? L'histoire pointe deux grands moteurs de la cruauté du crime politique: la soumission aveugle à l'autorité et le conformisme. Vous connaissez peut-être les expériences de Stanley Milgram. Milgram était un chercheur américain et dans les années 60, il a montré qu'une majorité d'individus, a priori comme vous et moi, étaient capables d'envoyer des décharges électriques potentiellement mortelles à des personnes qui ne leur avaient strictement rien fait. Par rapport aux officiels qui ne vous connaissent pas personnellement, de bien vouloir vous présenter par l'extrémité près du piano, retirer votre précieux sésame. Une fois que vous avez passé devant la table officielle, vous rendez derrière pour la photo de groupe, ensuite vous regagnez vos places. Je vous rappelle qu'il y a d'abord la remise des maturités, ça c'est la partie simple. Et ensuite, pour les prix spéciaux, il y en a de nombreux, donc il serait dommage que vous ne soyez pas là, pour les recevoir. Donc, vous sortez par ma droite, vous revenez par ma gauche, vous regagnez vos places, s'il vous plaît. Par rapport aux applaudissements, pour que ça ne dure pas trop longtemps, le doyen qui va lire les palmarès s'interrompt à peu près tous les 10. Vous applaudissez à ce moment-là. De Madame Karine Stephen. Tatiana Nassébéké avec mention Anna Aydara. Camille Boutz, Zerena Issac, Bébé Maria Pereira, Josephine Margot, Maëlle Andrien, Milena. Et avec les félicitations des Dolls, Karen Barbeza, Maya Richard, Alicia Lidia Cara, Alessandro Chico, Jessie Lennon, Laetitia Colucci, Sandra Mila Nodlau, Eva Moreno, Grégoire Mottier, Maïra Pedro. Maïssa Ribert, Inès Sampaio, Gabriel Chiffrimer et Benjamin Barr.
I just graduated, so I'm so happy. And today is the 26th of June 2018, and the most wonderful day of my life. That means that from September I'm going to go to university in Lorp, and I'll go to the one in Geneva. I'll do my bachelor 3 years. Then if I pass, maybe I can go to Canada. Okay, and we wish you all the best and congratulations. Thank you. You're welcome. Bonjour mademoiselle Jess, comment allez-vous? Ah ça va, et toi? Bien, bien, bien. Ne me tutoie pas parce que voilà quoi. Ok, je viens et vous? Comment vous sentez par rapport à ce certificat de maturité? Ah à part ça je me sens super bien, c'est pas la joie que j'ai là, c'est la peine à exprimer. C'est inexprimable comme vous pouvez le constater. Elle n'a pas les mots. Elle n'a pas les mots. Elle est plus que mature. Je suis sa sœur. Nigeria, state from Nigeria. Non mais je suis fière d'elle. Franchement, elle s'est battue toute l'année pour réussir. Donc ça fait plaisir de voir son amie depuis le cycle qu'on a mis, de réussir, d'évoluer. Et moi aussi j'ai eu ma mature, donc on va évoluer ensemble. Plus tard, j'espère qu'on aura nos maisons, nos maris, nos enfants. Ça fait plaisir. Zimbabwe. Oui. Elle a quel âge? Elle a 19. 19 ans? Oui. Vous êtes le mari de sa mère? Oui. Ok, puis voilà, elle a fini aujourd'hui cette école. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle imaginait pour faire? Médecine? Non, avocate. Ah, oui, ah. Oui. Ok, et puis vous êtes content? Oui, je suis très content. Ah, son père, il est là, ici. Non, et on est divorcés. Oui, mais ça, c'est ma meilleure copine. Bonjour. Bonjour. English or French? English, please. Okay, English. So, what's your name, please? My name is Dandan. Mm-hmm. So, you have somebody here that is finishing up in the school today? Yes, my best friend's daughter. Best friend, her daughter is finishing up. Yes. Today. And you're happy to be here today? Yes. Okay. We wish you a happy day and a long time and a long vacation. Thank you. We're happy that one of our children are visiting today to enter into the university. Yes. It's a good thing. Enjoy yourself. What's your name? You're a student of this school? Yes, exactly. And you just graduated up today? Yes.
Okay, can you tell me how many awards are, how many, how do I say it now? Okay, how many awards did you get today? I got 3 ones. Three? Yes. Explain them. One is what? The best average in the school. And second? The second one was the best average for the city of Geneva. Uh-huh. And the third one was biochemistry. Biochemistry. Yeah. That means you are so much intelligent, I can say. I don't know. I don't judge. How old are you? 18. 18 years old. Yep. And how come you speak English perfectly? Exactly, I'm the best teacher in this school. Yeah. That's the first reason. Okay. No, that's the only reason. Okay, okay. Now that you have passed from this high school, college, what is your intention in life? What do you want to read in the university? I aim to go at the EPFL. Uh-huh. Polytechnic School of Lausanne. Yeah. Okay. And which university do you expect yourself to be in? Do you expect to school in Switzerland here? Probably yes. Uh-huh. Okay, I wish you a very nice and a successful education. Thank you. Thank you. May I ask you to take a class? So, normally I like doing the 2 years. Yes. Hello, Mama. Hello. So, your son graduated today in this high school. He certainly did. And I've got lots of sons and daughters who graduated. Yeah, but he's one of the best today, having 3 awards today. I'm so happy about it. I don't like to be on camera. She don't like to be on camera, but she has a very nice children that are very much intelligent, successful. One of the sons that graduated today that have 3 awards today. These are all the children here today. So, hello, I can see you have a file. Did you have graduate today also? Je comprends plus rien, je suis fatiguée. Ah, vous êtes là, vous êtes matriculé aujourd'hui aussi? J'entends rien. Vous êtes là aujourd'hui, ouais. Vous êtes participé aujourd'hui, ouais. Dans le truc. Ouais. Vous avez combien d'awards aujourd'hui? Combien? Pas, moi j'ai eu ma maturité, je m'en fiche. Ok, bon, merci à vous. Au revoir. Cameroon, direct. Yep. Voilà.
André, je vais entrer dans ça. Le premier Satan, ça va chauffer. Le premier Satan, ça va chauffer. Hot.
Yeah.
Il n'est jamais fatigué, il a bu de l'eau, il a recommencé. Voilà. Ça a fait ta réussite, ma chérie. Oui, tout est bon.
ça. Ils vont laisser le truc pour voir. Ils ont continué, mais j'ai un métier d'apprendre. Comment ça, j'ai un métier? I'm going to go to the house. Yeah!
Thank you.